C'est un drôle de camping-car qui sillonne la campagne. Au volant, une coiffeuse barbier. Depuis 3 ans, Céline Texeiro s'installe de place en place sur 11 communes de la Vienne. J'ai cette chance-là, c'est d'être accueillie à bras ouverts par les communes. Ils m'ont donné l'autorisation de me garer sur les places de village sans aucune autre demande. Et ils m'ont même facilité l'accès à l'électricité. L'activité barbier, c'est son originalité, celle qui attire une clientèle masculine de tous âges. En fait, l'idéal au niveau de la préparation du rasage, c'est de mettre une huile. Ça permet une glisse plus facile au niveau du rasoir et ça évite justement encore plus le feu du rasoir. Ici, on rase à l'ancienne et dans les règles de l'art. J'ai qu'une seule lame, j'ai pas de grille de protection dessus. Donc forcément, ça, oui, on rase de plus près que le rasoir à la maison. Et voilà. Alors, vos impressions, monsieur, de ce premier rasage? Eh bien, très bien. Sensation fraîche, reposante, très agréable. Une première fois, bien. On dégage. Après les poils, les cheveux, la clientèle de Céline vient surtout pour la coiffure. La jeune femme a passé 15 ans dans des salons. Sa nouvelle vie de coiffeuse itinérante lui convient parfaitement. Ce qui me plaît dans le rythme de travail, comme je le fais actuellement, c'est que je n'ai pas de routine. Ça me permet de voir du monde. Et voilà, je ne suis pas à attendre que le client arrive pour travailler. Je vais vers eux et je vais en fonction de leurs demandes au niveau des horaires. Donc je n'ai pas de temps mort. Et donc forcément, ben, ça me convient parce que ça me permet d'organiser mes journées de travail aussi en fonction de ma vie familiale. Même si le bouche à oreille fonctionne bien, Céline peine encore à se verser un réel salaire. En revanche, elle a gagné un confort de vie personnel qu'elle n'est pas prête à abandonner. Merci. Et voilà, la totale.